Eliam kila ege bodo kapete yo pete yo ege bodo teta yo teta yo ege bodo kapete yo kapete yo oh 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 big up ege bodo boy comes en japonais pete yo. Salut les gens. Bon, moi c'est Eliam, j'ai 27 ans, je suis artiste reggae dancer. Je pratique la musique ça fait 11 ans en tout cas. Et ça fait, on va dire, 5-6 ans que je suis rentrée sérieusement dans le mouvement. J'ai commencé la musique au quartier, au Brésil, à l'époque, c'est là où j'habitais, avec la Oxy Family, donc composée de Piccolo, Tichab, Garfield, donc Moué et tout ce que je dis. Donc c'était des petits freestyles de quartier avec des cassettes, on avait la même cassette, les mêmes instruments à chaque fois, et donc on rentrait au début. Voilà, et les garçons m'ont poussé, ils m'ont dit « tu peux chanter ?» Je disais non, parce que en fait, je faisais souvent les chœurs de tout le monde en fait. Je connaissais les sons de tout le monde, je faisais les chœurs, mais je ne chantais pas moi spécialement. Et un jour, ils m'ont dit « cette freestyle » et en fait, je suis partie et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai débarqué à Bordeaux en 2003. J'ai fait la rencontre de Selecta Jibenda Mekman, qui faisait des sons à l'époque au Lambi. Et j'ai eu l'occasion de prendre le micro. Je lui ai montré un jour en fait, que je chantais. Il m'a dit « Ah, tu chantes ?» Il m'a dit « Viens prendre le micro et tout. » Et donc je suis allée le prendre. Et en fait, j'ai fait des rencontres, j'ai eu des opportunités, notamment des premières parties d'artistes jamaïcains comme Jamison, Kunifika, Chubulance. En 2003, 2004, 2005, 2006, Nixon, Sadiq. Au fil des rencontres et au fil des prestations, je suis rentrée dans le mouvement en fait, sans m'en apercevoir, quoi, finalement. Mes influences musicales, alors on va dire que je suis quelqu'un d'éclectique, donc j'écoute un peu de tout. Bon, quand j'étais petite, on écoutait RCI, quoi, donc on a écouté du Nana Mouskouri et compagnie, donc en variété française, du Brel, du Piaf. Et à l'époque, c'était le rétro, quoi, donc il y avait Aniki Jean-Claude, Tania Saval, Kassab, Jocelyne Béwa, Joanie Ursule, donc c'est ce qui m'a bercé dans mon enfance et aux alentours de 13-14 ans, on a entendu Capleton, Sizzla et Buju qui sont venus fêter la Guadeloupe et bon, ça a été la rencontre avec Dom Sol. Et ensuite, j'ai découvert le hip-hop Guada avec Underground Family et N.O. Clan. Et donc, voilà quoi. Voilà ce qui m'a amené à la musique, je pense. L'artiste que j'écoute le plus maintenant, en ce moment, je suis très dans mon objectif jouer sans local, hein, donc j'écoute que du local. Benzen, Samix, Sway, Mevy, Funnyman, Edsonix qui vient de sortir, Forsyth aussi qui prépare un album. J'écoute du local, j'ai Noé Mike de MJ Revendique, j'écoute tout ce qui est de local, tout ce qui sort local, j'écoute Fockley, je suis l'actualité du local et je suis à fond, donc jouer sans local, hein, acheter pas gravé, ça je la connais. Je parle de la vie en général en fait. Ça peut partir de mes propres expériences comme ceux des autres. Je suis quelqu'un j'aime beaucoup parler, donc les gens se confient beaucoup à moi. Des fois en mettant en relation peut-être un truc que j'ai vécu et celui de quelqu'un d'autre, ça arrive un texte, comme par exemple La Fleur du Mal. En fait c'est parti, j'avais deux amis, c'était un couple qui s'embrouillait en fait et j'étais là dans la pièce et j'ai commencé le premier couplet de La Fleur du Mal. Quoi. J'ai fini après un peu plus tard, j'ai posé, donc voilà. Et donc l'affaire d'une mal est née comme ça, quoi. Donc ça peut venir d'un moment, comme d'une réflexion, quoi. Ça vient ou ça vient pas. Et des fois aussi, je me force à travailler un texte sur un sujet qui me touche. Voilà, il n'y a pas vraiment de limite, quoi. On écrit ce qui vient. Parce que c'est toute notre vie en fait.
c'est les relations humaines, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Ça passe du pire au meilleur. Et c'est vraiment un sujet que je crois que je ne vais pas me lasser d'en parler, puisque tous les jours, il y a des trucs qui se passent. Voilà, quoi. Donc, il faut en parler. Je trouve qu'on n'en parle pas. Il faut bien en parler. Ça existe. Il n'y a pas que aller en soirée et je te quitte, tu ne m'aimes plus. Il y a d'autres choses profondes. Même nous, en plus, nous les Antillais, on est très pudiques là-dessus. On ne parle pas de nos sentiments, on ne parle pas des ressentis. Donc, moi, je suis très, très franche et je me livre beaucoup de mes sentiments parce que je trouve ça important. Pour connaître les gens, il faut savoir ce qu'ils ressentent. Donc, voilà. Parce que je trouve que c'est ce qui me ressemble et je trouve que c'est là où ma plume elle excelle. Donc, après, je me fais du dancehall sans me proposer des instrus ou si je suis avec mes potes, j'ai des sons dancehall puisque j'ai commencé par là. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, la maturité, je me retrouve plus dans le reggae, quoi. Non, pas du tout, justement. Mais c'est la question qui se pose en ce moment, en tout cas la question qu'on me pose. Donc, on y travaille, on ne sait pas encore sous quel format, mais on va voir ce qu'on peut faire pour satisfaire les gens. On peut me retrouver sur myspace.com, helium97110, code postal de boîte à pile. Donc, il y a un peu là, tout ce que j'ai fait, mon autobiographie, mon parcours. Sinon, Facebook, hein, comme tout le monde. J'ai aussi un netblog, un skyblog. Bon, je suis assez opérationnelle. Je suis une caribéenne collector qui va sortir cet été en Guadeloupe. Sur Bordeaux, il y a le New Band Redeem avec Fresh Montante et BGM Produit. J'ai pas encore de date. Il y a aussi le Brass Redeem en Guadeloupe avec Little Espion Prod. Donc voilà, il y a une actualité. Et puis pour mon projet personnel, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Voilà. Donc premier clip 2007, donc c'est Ni des silences qui veut dire holo. Donc c'était produit par C4 Studio, donc My Youth. Donc d'ailleurs big up à Washington Crew. Deuxième clip La fleur du mal qui a été fait par Easy Kenenga. Donc on était là, bon ça s'est fait, on va pas rentrer dans les détails. Big up Easy d'ailleurs qui est en tournée et son album est bientôt dans les bacs, donc achetez-le parce que c'est un excellent album. Ensuite, troisième clip, Himalaya, donc c'est Spyco qui m'a fait ce clip. C'est son deuxième clip qu'il produit, donc c'est Atom Studio. Quatrième clip, c'est Kidja Prod, donc l'homme qu'on appelle Kidja, qui vient de Baster, qui est aussi chanteur, donc il m'a fait le magnifique clip de Promesse Ayo. Et pour finir, Bullshit Love, donc c'est moi-même et les potes, donc la famille de Vélo, Dion Tem, et donc au montage, Tanou Tout qui fait un réel travail sur Bordeaux au niveau de la retranscription des soirées, de toute l'actualité locale qui se passe sur Bordeaux. Donc voilà, voilà tous mes clips, vous pouvez les retrouver sur MySpace, sur Facebook, sur YouTube et Dailymotion. Mon souhait pour l'avenir, continuer à faire de la musique, que le mouvement local s'unifie, parce qu'il existe, mais on est un peu en distorsion, on va dire. Donc d'où le collectif Jouissant Local, hein, d'ailleurs qui est présidé par Kaiser de KSO Radio, aussi qui fait un réel travail au niveau du mouvement local. Donc on a une musique, on est doué, il ne faut pas avoir peur de le dire. Notre musique, elle est exportable. Donc il faut jouer du son local, il faut promouvoir du son local, il faut acheter les CD locaux, puisqu'on achète tout ceux de l'extérieur, donc pourquoi pas ceux de chez nous. Pour commencer, ça serait sympa. Et mon souhait, j'aimerais pouvoir un jour avoir mon band et faire des tournées. Voilà quoi. Tout simplement. Allez Dio, que nous soyons, que nous chaillons coton et que nous plantons quand. Qu'elle nous toujours la capote et gants, qui c'est jeune, qui c'est vieux, qui c'est normal bien fort. Allez Dio, qu'elle nous soit, qu'elle nous plante et bandonne et nous mange zion. Qu'elle nous toujours la capote et gants. Oh yeah. C'est vrai, ni en l'eau qui ont buté, mes femmes tombées, pas qu'à jeune désespéré, un bon roseau, qu'à plier, mais pas qu'à casser. Oh non, 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 c'est vrai, ni en l'eau
qui a galéré, qui a constaté Québec, ça pas été assez. Maîtrise licence, c'est chômage, qui a tout fait. Oh non, non, non. C'est vrai, des fois, ils ont vu lâcher. Ils n'ont pas de force, à bout de souffle, ils n'ont pas l'idée. Dis ok, dis ok, dis ok. Allez, dis yon, que nous strouons, que nous chaillons coton et que nous plantons comme, que nous toujours là, qu'à planter comme. Yes, I, Eliam Kila. Wow.